Voici au parking de la Souille. Alors sur le poteau, c'est indiqué pré-compté. Et je vais aller en direction du Plénet par le GR. C'est le sentier qui descend. Donc c'est pas la barrière là. Après la descente, ça remonte. Et ça croise un gros chemin forestier. Donc là, il faut prendre à gauche. Et au bout d'un moment, il se transforme en un petit chemin très agréable. Et on arrive aux abords du Plénet. Où là, on va continuer à monter en direction du lac Blanc. On arrive dans un endroit extraordinaire. C'est plein de cascades. On les entend couler, c'est puissant. Très bel endroit. Un peu plus haut, ben en fait c'est tout droit. On continue vers le refuge Jean Collet, vers le lac Blanc. Voilà, on arrive à la passerelle qui a été démontée pour l'hiver. Il y a un petit poteau indicateur. Voilà, c'est la passerelle du Mousset. Donc on monte juste un petit peu et après c'est tout de suite à gauche. À peine 50 mètres juste au-dessus du panneau le long du ruisseau. Le sentier monte en direction des éboulis. Il y a un cairn. Le sentier monte presque en face de la passerelle. Par le ravin des Excellences. Il est jalonné de petits points jaunes. Et au sommet de l'éboulis, on rejoint une des branches du GR. Donc on va prendre à droite. Et qui va nous amener au lac Blanc. Petite traversée de cascade, c'est très joli là. Petit aperçu sur le refuge Jean Collet. Le sentier qui monte là est vraiment superbe. Il y a une vue sur la Chartreuse en plus, c'est splendide. On débouche brusquement sur un paysage extraordinaire. Avec des petits lacs là. Toute la chaîne qui va jusqu'au grand pic de Beldonne. C'est vraiment superbe. Et voici ce magnifique lac Blanc. C'est vrai qu'il est laiteux. Je dirais couleur lait menthe. C'est très beau. Alors faut faire gaffe de ne pas plonger. Hein. On peut pas l'approcher facilement. Sauf vers le bout là-bas. Ou à l'opposé. Là-haut, on aperçoit le grand pic de Beldonne.
le pic central de Belledonne et la croix de Belledonne qui, elle, est beaucoup plus facile à gravir. Là, je vais essayer de suivre à flanc, remonter la moraine, aller vers le glacier et ensuite tenter de gravir le col de la Balmette pour voir si c'est faisable de monter là-haut. Il y a des pas d'escalade, donc bon, comme je suis tout seul, je vais pas prendre de risque non plus. Là, c'est le glacier de Frédane. Bon, il a l'air beaucoup moins impressionnant que sur la carte. De près, il doit être plus... On verra bien. Le sentier reste au-dessus du lac. Et se dirige vers la station météo. Un gros cylindre blanc. Et un pluviomètre, je pense. Le chemin variante du GR qui monte jusqu'au pied des glaciers est un bon chemin. Juste avant d'arriver au glacier, il faut monter à vue en direction du col là-bas. Ça passe derrière, je pense, sur la droite. C'est carné par endroits. Alors attention, danger, parce qu'au-dessus c'est un important dérochoir. Donc il vaut mieux éviter de passer là en période de dégel. Je pense que le passage doit se trouver par là. Le long de cette vire cheminée, on va dire. Pas passer vers la gauche parce qu'après on ne peut plus rejoindre le col. Le passage le plus facile se situe au pied de la barre. Alors attention parce qu'on est quand même au bord du glacier, faut pas tomber dans la rimaille quand même. Si ça se trouve, ça passe là-dedans. Il y a forcément un passage, mais bon, c'est quand même raide, raide. Alors là, il est presque 16h30, j'ai mis plus de 4 heures pour monter. Vu les jours qui descendent, bon, je vais monter encore un tout petit peu, puis je vais redescendre. Eh bien, tant bien que mal, ça grimpe, hein. Ça doit pouvoir passer là-haut. C'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Mais bon, là il est 16h30, c'est ma dernière limite. Faut que je redescende. Le petit couloir. Et puis je vais essayer de passer un peu plus au bord du glacier, ce sera plus facile, je pense. Magnifique col en face.